Écoutez! Écoutez! Ah, j'adore! Vas-y, vas-y! Salut les amis, c'est nous, Antoine et Antogeek. On va vous présenter ensemble un nouveau sabre de chez Ensaber. On avait présenté ensemble le sabre de Luke Skywalker et Dark Vador. Dark Vador. Et là, c'est le sabre de Dark Maul. Les vidéos qu'on avait faites précédemment, elles vous avaient vachement plu. Du coup, Ensaber, ils ont dit, les gars, ouvrez encore un nouveau sabre. Alors c'est parti, on va découvrir ça ensemble. On va voir s'il y a eu des modifications, des améliorations. Déjà, les précédents étaient vraiment top. Mais j'ai vraiment hâte de voir un petit peu ce que ça donne un sabre double, quoi. Alors, ça s'ouvre comme ça. Oh ! Quoi ? Oh ! Montre. Sérieux ? Il avait pas mis ça la dernière fois. Non ! Voilà. Ça, c'est nouveau, ça, les gars. Regardez. Ah ouais, non, mais ils rigolent plus, les mecs. Waouh ! Attends, Ensaber, attends, vas-y, ouvre le entier. Mais c'est énorme. C'est pour ça qu'il était lourd, ce carton. Alors là, c'est... Souvenez-vous, alors attends, souviens-toi. Le tout premier qu'on a reçu, qu'est-ce qu'on avait critiqué? Rappelle-toi, il n'y avait pas le carton. Ils avaient mis directement le sticker d'expédition directement sur le packaging. On avait dit quoi? On avait dit que la boîte, il y avait l'étiquette collée comme ça. Voilà, il y avait l'étiquette collée, on a dit, bah, c'est moyen. Bon, certains disaient en commentaire, à juste titre, que c'était quand même éco-responsable. Voilà. Oui. Mais bon, moi, je trouvais que c'était pas terrible pour un point de vue professionnel, quoi. Pour les collectionneurs comme vous et moi, vous savez très bien qu'on aime garder et conserver les boîtes. Et la deuxième fois, du coup, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient mis un carton. Mais là, on a une mallette, quoi, les gars. Comme une réplique d'arme, quelque part. Ça fait hyper pro, je trouve. Avec écrit... Ensaber. Il faut savoir qu'en fait, il existe trois versions pour chaque sabre. La première version, la version de base, n'est pas équipée de LED. C'est-à-dire que, regardez, contrairement à celui-ci, vous voyez, ici, on a une connectique. Pourquoi il y en a une connectique? Parce qu'en fait, la lame est blindée de LED. Et du coup, on a une homogénéité au niveau de la puissance de la lame, de la lumière. Et surtout, on a des effets spécifiques. Le sabre de base, lui, il y a juste la lumière qui est projetée dans un tube qui creux. Donc, il y a la version de base, la version NeoPixel et la version Profile. La version de base, c'est un bon rapport qualité-prix pour faire des combats en duel. Mais on n'a pas tous les effets sonores et les effets lumineux, contrairement à la NeoPixel et la version Profile. La version NeoPixel, on a tous les effets sonores et lumineux. Et la version Profile, on peut enlever la carte micro SD pour pouvoir personnaliser les sons. Sur le site internet que je vais vous mettre dans la description, en ce moment, il y a une promotion à moins de 30% sur tous les sabres. Et en plus de ça, vous avez moins 7% si vous mettez code promo AntoGeek. Ouais. Ah, ça fait super classe, regardez. Ça, c'est du socle. Voilà. Donc, on a un super socle. Là, on a la notice. Avec tous les sabres qu'ils proposent à l'arrière. Donc on voit bien qu'il y a différents sabres laser. Tout ça, c'est du métal. Hein. C'est du métal. C'est super lourd. Ça. Ah, n'ouvre pas, n'allume pas. Oh, le son est bon. Il est excellent le son. Alors attendez, je vous montre. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Si on veut les assembler, on va utiliser ce petit bichou ici. Ensuite, ici, on peut le dévisser. Et là, on a accès à l'enceinte. On a accès à la carte SD et là on peut le recharger par port mini USB. Également, ici on peut le dévisser. Là on voit les petits picots qui vont se raccorder au tube et ça s'enlève comme ça. C'est hyper qualitatif, il y a zéro plastique. On va se faire des petits duels, c'est quand même plus sécurisant de savoir que la lame elle peut pas partir quoi. Et on va la visser en fait tout simplement. Voilà. Et là ça bouge plus là.
Ouais, vas-y, mets la couleur rouge, essaye de mettre la couleur rouge. Wouah, vas-y, vas-y. Pah oh. Ça, c'est le vrai. Wow. Regardez, les gars. Vas-y, montre. Oh, oh. Attends, montre. Ah ouais. Attention. Ah ouais, en vrai, trop bien. T'as vu, je te l'ai dit. C'est ouf. Oh, c'est stylé. Alors, le seul truc que je peux reprocher, oh, c'est que du coup, en fait... Ouais, c'est comme du coup, ça se... Enfin, c'est que du coup, on peut pas synchroniser sur un seul et un bouton. En fait, il faut chercher à chaque fois les bonnes couleurs pour avoir les deux sabres qui ont la même couleur et les mêmes sons. Donc en fait, on utilise... Bon, le son, on utilise le son que d'une seule lame. Et du coup, bah, l'autre, il faut chercher à chaque fois la bonne couleur. Ça, c'est le reproche. Mais une fois que c'est synchronisé, c'est énorme. Fais voir. Regardez. Super catastrophe. Oh, oui. T'as vu comme ça fait hyper qualitatif? C'est lourd. T'as vu comme c'est lourd? Oh, vas-y, refais ça. Regarde le bruit. Il réagit du coup au son. Wesh. Ouah. Et c'est trop bien. Elle te passe, ça. Attends, on dévisse dans mon sens là? Bah oui. Voilà. Ouah. Vas-y, viens, viens. Ouah. Oh, il est bien fait. Il est excellent. Il est trop bien. Tu changes la couleur après? Ah, oh, j'adore! Vas-y, t'as bien, viens, on contact. Oh, le lien! Alors, déjà, on vous explique. C'est trop bien. Ce qui est génial, c'est qu'en fait, on a deux sabres pour le prix d'un, en gros. Enfin, il est un peu plus cher. Voilà. Que là. Alors, niveau prix, alors on est, attendez, j'ai noté le prix. Voilà. C'est 800 et quelques. 857 euros de base. Voilà, mais comme il y a moins 30%, il est à 500 et quelques. Ça fait 599 euros. Voilà. Et après, avec le code AntoGeek, vous avez moins 7%, ça fait 557 euros. Voilà, 557 euros, vous avez le haut de gamme de chez Ensaber, et surtout vous avez deux sabres pour le prix d'un, quoi. Voilà. Après, vous pouvez le transformer en un, bien sûr, mais on a tout cassé. Voilà. Alors, du coup, on peut choisir la couleur. En fait, c'est simple, il y a deux boutons. Bon, je trouve que c'est un peu compliqué pour la couleur. Parce qu'avant, si tu cliques sur un bouton, ça vient. Là, non, mais c'est très simple en fait, regarde. Il y a un bouton. Avec ce bouton, ça, on a. Non, attends, je monte moi. Ouais, vas-y. C'est bon. Voilà. On a deux boutons. Avec ce bouton, on allume la lame. Et on la rétracte. On appuie sur ce bouton. Là, on a les sons. Les sons, moi, qui sont très bien faits. Et ouais, l'enceinte, elle est petite. Mais le son, c'est... On se met dans l'ambiance tout de suite. Sur ce bouton, tu changes la lame. Vas-y. Vas-y, viens. Vas-y, attends, viens. Attends. Vas-y, viens. Je vais changer la couleur. Ah, voilà. Ouah. Écoutez. Ah, j'adore. Vas-y. Voilà, c'était donc du coup la présentation de ce magnifique sabre laser de Dark Mold de chez Ensabers. Encore une fois, on vous le dit, si vous souhaitez vous le procurer, je vous mets le lien dans la description. En ce moment, il y a moins de 30% de remise. Plus 7%. Et moins 7%. Si vous mettez AntoGeek. Voilà. En code. Franchement, c'est un magnifique sabre. Franchement, il est hyper qualitatif, ça fait plaisir. Et il vient compléter notre collection parce que mine de rien, regardez, hein, je vais vous montrer tous les sabres qu'on a. Ouais, parce qu'au bout d'un, ça fait... Regardez ça. Il vient compléter ma magnifique collection. Il y a le Mandalorien. Ils sont tous là. Dark Vador. Moi, c'est lui mon préféré. Donc toi, c'est celui-ci ton préféré. Et mon deuxième Mandalorien. Et en troisième, Dark Vador. Moi, mon préféré, ça reste celui de Dark Vador. Parce que bon, c'est le cultissime Dark Vador. Mais celui-là est quand même impressionnant. Dites-moi en commentaire, vous, quel sabre vous...